Le secret de ma pizza 4 saisons, c'est tout d'abord une bonne pâte à pizza. Pour réussir ma pâte à pizza en un clin d'œil, il me faut un sachet de préparation pour pâte à pizza Francine, 15 cl d'eau chaude, soit environ un verre, 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Dans un saladier, je verse le sachet de préparation pour pâte à pizza Francine. Je creuse un puits et y verse le sachet de levure présent dans le paquet, puis l'eau. J'ajoute les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Puis je mélange pendant quelques minutes avec une cuillère pour obtenir une pâte lisse. Je farine mes mains, ça j'adore, et je dépose la boule de pâte dans un plat à pizza. Je l'étale du bout des doigts sur toute la surface. Moi, je replie les bords pour avoir des bords bien gonflés. Et voilà, ma pâte à pizza est prête à garnir. Donc, pour ma pizza 4 saisons, il me faut 100 g de champignons de Paris, un demi-poivron, 200 g de cœur d'artichaut, 2 tranches de jambon de Paris, une boule de mozzarella, une brique de coulis de tomate, de l'origan et des olives noires. Bien, tout d'abord, je préchauffe mon four à 240 degrés, thermostat 8. J'épluche les champignons de Paris et je les coupe en fines lamelles. Je découpe le demi-poivron en lamelles. Alors, mon petit secret de décoration, pour un effet de couleur, je prends un quart de poivron vert et un quart de poivron rouge. Effet garanti. Je coupe les cœurs d'artichaut en 4. Voilà. Je découpe des lanières de jambon et je prépare des dés de mozzarella. Maintenant, je répartis la sauce tomate sur ma pâte. Et bien sûr, petite touche indispensable, je saupoudre l'origan sur la tomate. Le secret de la 4 saisons est de mettre un ingrédient par quart de pizza. C'est simple, je commence par un quart de poivron, puis un quart d'artichaut, un quart de jambon et enfin un quart de champignon. Je répartis les dés de mozzarella sur toute la pizza et enfin je décore de quelques olives noires. Je fais cuire ma pizza pendant environ 15 minutes. À table !